La zone, jeu de société. Alors j'espère que vous allez bien et j'espère que vous portez bien dans votre coin de pays. Alors on va jouer, euh, on va jouer à Sky Mines. Si ça vous tente Je ne sais pas si vous avez regardé mon épisode 0 où je vous ai euh, expliqué euh, tout le beau placement que vous voyez là et surtout vous expliquer comment je manque un peu de, <laughs> je manque un peu d'espace. Alors je vais essayer de placer mon micro pour pas qu'il tombe. Un jour, je vais, avoir, je vais avoir un studio digne de ce nom, mais pour l'instant, c'est ce que je dois faire avec, avec les moyens du bord. Mais euh, Skyminds, c'est un jeu euh, qui est quand même le fun, à lequel je vous dirais que après, j'ai quand même joué une partie à deux joueurs, en enfin, fait une partie à deux joueurs et demi parce qu'on a joué contre Luna. Euh, j'ai joué deux parties en solo, et c'est comme ma troisième partie solo que je fais. Et je vous rappelle que je fais également le, euh, je fais le, le, le scénario. Et euh, le scénario va me donner. Euh, je pense qu'il va me donner des points. En fait, qu'est-ce que le scénario me donne de plus? Je ne sais pas trop. <coughs> ouais, mais je sais que le scénario me donne ces cartes-là. Donc, have in your action area 7 points. Donc, je suis capable d'avoir 7 points d'énergie. Euh, je vais débloquer ça ici. Have or surpass the fourth space on at least three company track. Donc, est, av est avancé au moins au quatrième espace. De trois, de trois compagnies. Puis avoir au moins 15 cryptomonnaies monnaie. Alors, euh, ça va me permettre euh, <coughs> donc euh, de, 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 de pouvoir débloquer euh, ce qui est inscrit là-dessus. Donc, débloquer ça. Et ça, ce qui est le fun, c'est que c'est des, euh, des jetons supplémentaires que je peux utiliser, mais une seule fois. Donc, c'est C'est pour ça qu'ils ne sont pas en bois, ceux-là. Donc, c'est une seule fois euh, que je peux les utiliser. C'est écrit, et je vous rappelle que quand on fait la, la campagne, le but c'est de faire des success points. Alors c'est écrit que je me fais un point de succès. Il y a number of success points which are calculated as follow. Donc je me fais un point de succès si au moins un joueur a gagné moins de crypto-monnaie que vous. Ça c'est impossible, je, je, je ne pourrais jamais faire ça avec Luna. <coughs> Luna qui, est une, euh, qui va ramasser plein de points. Je fais un point de, de, de succès si au moins deux joueurs ont. Euh, moi, ben, je joue pas avec deux joueurs, fait que ça ne marche pas. Un point de succès si je suis le gagnant du chapitre. Euh, un point de succès si au moins deux de mes one-time bonus marker uh, from your mission status card. En fait, these two of your one-time bonus marker are gone. Alors, si je suis capable d'en enlever deux, je me fais un point de succès ici. Et un point de succès pour chaque track que je me rends au max. Et je vous dirais que si je me fais 22 points de succès à la fin de la campagne, oh boy. Hey boy, ça risque d'être difficile. Mais bon, OK. Voilà. OK. On va commencer. Donc, la première chose que l'on fait lorsqu'on commence, euh, on va faire la phase de planification. Alors, la phase de planification, c'est que je prends mes cartes qui sont là et je choisis ceux que je vais placer ici dans, euh, dans, dans ma zone d'action. Et là, j'ai dit que je voulais peut-être essayer de m'avancer sur la piste. Donc, il faudrait que j'aille me chercher des scientifiques pour pouvoir faire le plus d'actions de scientifiques possible. Et il va falloir probablement que j'aille me chercher aussi des, euh, des fameux euh, d'autres tuiles de sciences ici en haut. Fac. Il faudrait que j'aille m'en chercher, mais une des seuls moyens où je peux vraiment, c'est aller ici. Donc je pourrais déjà aller me chercher euh, des éléments scientifiques en allant me promener avec des... Euh, en allant placer des, des jetons. Donc ici, ça me donne deux, deux jetons scientifiques. Mais là, le but, c'est d'essayer d'avancer le plus possible sur cette piste-là. Donc je pense que ça va être difficile au début. Ça va être même très difficile au début. De pouvoir me rendre exactement où je veux aller. Ah là là. Hmm. Je suis en train de regarder ici s'il y avait des choses que je pourrais, je pourrais m'avancer plus rapidement. Je pourrais peut-être m'avancer plus rapidement. Si je réussissais à aller m'en chercher, peut-être au moins deux. On va essayer. On va essayer quelque chose. OK. Donc, je vais commencer par jouer ça ici, qui est mon. Qui est ma carte d'énergie. Puis, celui que j'aimerais peut-être aller chercher, c'est. Donc, je pourrais jouer ça. Puis avec mon titanium comme ça. C'est sûr que ça va peut-être me bloquer à certains endroits, mais peut-être pas. Donc, là, j'ai fait ma phase de planification, mais là, je dois planifier également Luna. Fait que pour Luna, ce qu'on fait, c'est qu'on prend trois de ses cartes. Pour l'instant, trois parce qu'elle n'a pas de bloquer d'autre chose. Et je vais donc placer trois cartes ici. Et une fois que j'ai joué mes cartes, parce que n'oubliez pas que toute la question de majorité qui est ici, Luna va également avoir des majorités. Donc là, je retourne deux de ces cartes. Et là, on voit que présentement, Luna, pour la majorité, est là. Je sais qu'ici, c'est un peu... Euh, malheureusement, un, il y a un peu de reflet. là. Ce qui n'est ce qui pas, pas super pour ce qui est de cette, cette section-là, mais je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'autre place. Mais ce que vous devez voir, donc ici, j'ai 4. Elle, elle a 4 de ce minerai-là. Elle a zéro énergie. Elle a 3 titanium. Puis, non, elle a. En fait, elle a 3 carbone et 3 titanium. Mais en plus, sur cette carte-ci, si vous voyez bien, elle a deux. Donc, 2 de il y a a trois, ça veut dire qu'elle va avancer de deux sur cette piste-là, et elle a également un scientifique, donc ça aussi c'est pour la euh, tout l'aspect de d'essayer de, 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 de pour ce qui est de la majorité okay? donc là, comme je vous dis, c'est un peu difficile j'aimerais bien ça, le, le, les bouger le bouger autrement, mais euh, mon système de lumière, il y a déjà quelqu'un qui m'a dit Martin, pourquoi tu ne mets pas tes lumières plus vers le plafond, c'est parce que la manière que mon plafond est fait, c'est pas assez lumineux. j'aime autant avoir malheureusement peut-être un aspect négatif qu'on voit au moins le reste comme il faut. Fait que là c'est fait, mais là c'est moi qui est le premier joueur. C'est moi qui commence. Puis là j'ai un crypto monnaie. Là c'est moi qui ai le plus d'énergie. Comprenez-vous C'est moi qui ai le plus d'énergie. Donc je vais y aller tout de suite. Alors je vais prendre ici un de mes jetons et je vais aller le placer sur le maximum d'énergie, parce que vous allez voir qu'il y, y aurait une possibilité, si je suis patient, ça se pourrait que Luna enlève deux de ses cartes qui sont là. Mais là, étant donné que j'ai deux énergies, et je ne le dépense pas, c'est juste que je regarde, c'est moi qui en ai le plus dans les joueurs qui sont autour de la table. Oui, parce que Luna en a zéro, j'en ai deux. Alors, je regarde ici, je peux avancer de deux sur la piste de euh, SkyMine. Alors, je suis déjà ici à euh, j'étais déjà à 3 à cause de mon euh, de mon départ alors je me rends ici à 5, on voit que j'ai déjà une action de Skymind et je me fais également un Crypt Money, alors c'est ma, ben, ma deuxième Crypt Money ici ça c'était mon action, c'est pas plus dur que ça, ensuite on va y aller avec notre amie Luna, donc Luna regardez, elle fait, elle fait tout ça elle commence par gagner 2 Crypt Money, vous allez voir que Luna va gagner pas mal de, 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 de la monnaie. Ensuite, Luna va gagner deux avancements de pistes sur celle qui vaut le plus. Alors, celle qui vaut le plus, c'est celle qui a le plus de valeur, donc, de, de, de crypto-monnaie, de dévoiler sur les compagnies. Là, vous voyez que présentement, tout le monde est exactement à égalité. Donc, là, il y a des... Ça, c'est peut-être le côté qui est le plus, euh, qui est le plus complexe. Là. Euh, donc, quand on dit ici the most, most valuable, euh, c'est euh, donc visible Account conjoint station, ce que je viens de vous dire. c'est écrit en dessous, quand c'est à égalité, the one who station has more vacant home space, donc celui qui aurait le plus d'espace de, vacant, euh, ben c'est elle qui gagnerait le, 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 le bris d'égalité. Mais là, ils ont tous, sont tous pleins encore. Et euh, si c'est encore à égalité, ben, c'est celui en alphabetical order. Donc, c'est la piste A. Donc, la piste A qui est la piste qui est <laughs> juste ici, que je suis en train de, de littéralement bouger. Alors, ça, ça veut dire que elle, va, donc, elle va monter de 2 sur, sur la piste de Minerva Station parce que c'est la piste A. On a a on, a, on a C, D, E. Alors, voilà. Mais là, c'est pas terminé parce que elle va également, Luna prendre, euh, placer un bonus marker en dessous de bonus space that match this Luna card slot. Alors, elle, c'est écrit ici qu'elle est sur la piste B. Et là, on regarde le B, AB. Donc, ça, ça veut dire qu'elle va venir bloquer cette section-ci. Voilà, Luna vient de jouer. Fait que là, on laisse la carte comme ça sur le dessus pour dire qu'elle a, euh, a joué son tour. Excellent. Donc là, c'est à mon tour encore. Et là, je dois vous avouer que j'ai. Non, j'ai pas là, j'ai pas là. C'est tout pour ce qui est de la majorité. Euh, parce que Luna a plus de minerais présentement dans son tableau que moi dans le mien. Donc, est-ce que j'y vais avec ce que je voulais faire tantôt? Donc là, je vais, je pense, effectivement, jouer cette carte-là des deux énergies. Alors, je vous rappelle que les deux énergies, c'est ça ici que je peux faire. Sauf que j'avais déjà réfléchi. C'est sûr que là, j'ai présentement une action avec eux autres, mais je veux aller me chercher. Ah, peut-être que je. Donc, je vais aller me chercher ici. Euh, je pense que je vais, je vais commencer à construire, aider à construire des bâtiments pour la Sky Mine Station. Alors, premièrement, ah mon Dieu, OK, ça va. Ça va me coûter deux parce qu'on voit ici qu'elle a deux, deux petits. Euh, donc, c'est deux lignes, donc ça va me coûter deux énergies. Si je m'en vais par là, ça va me coûter une seule énergie. Puis, je pourrais me rendre jusque là. Hmm. C'est intéressant. Je pense que c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Donc, ce que je fais, c'est que je peux prendre n'importe quel des bâtiments parce que j'ai deux énergies à dépenser. Sauf que je dois prendre toujours celle qui est le plus proche euh, de la Lune en premier. Mais je peux prendre n'importe quelle. Que là, on voit ici que je débloque. Il y a déjà un petit crypto-monnaie dessus. Alors, je le place ici. Ça me coûte une énergie parce qu'il y a seulement une ligne là. Et là ensuite, on peut toujours placer un bâtiment tant qu'on a de l'énergie à dépenser. Il me reste un point d'énergie à dépenser. Toujours un bâtiment qui peut être adjacent à un bâtiment qui est déjà placé. Donc là, je pense que je vais aller placer celui-là parce que je peux choisir n'importe quel. Moi, vous allez voir que Luna elle fonctionne différemment et je vais aller le placer ici parce qu'il y a seulement une ligne qui est là. Alors, je vais activer le bonus. Le bonus ici, c'est d'avancer un sur la piste. De la, la, la couleur qu'on est en train de placer, donc de Sky Minds. Alors j'avance de 1 encore ici. Et je vais aussi me ramasser un jeton donc et que je dois dépenser immédiatement. Je ne peux pas les accumuler. Et tantôt j'ai dit que j'allais aller chercher celui-là. Et en ramassant celui qui est dans le rouge, je ramasse automatiquement le cryptomonnaie qui est là. Donc, euh, et ça, euh, le pain, c'est que dans ceux-là, on ne les tasse pas. Donc, c'est vraiment juste quand on prend dans le rouge. Alors, celle-ci, ce que je dois faire, c'est que je dois aller, une fois que je les ai toutes achetées, donc euh, je pourrais en acheter plusieurs, j'avais plus de points de, 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 de recherche, là, mais là, j'avais un seul point de recherche. Alors, je peux aller ici le placer juste là. Et aussitôt que c'est fait, je remplace avec un autre. Et comme je vous dis, je ne les tasse pas. Alors, ici, celui-là, ben, je me ramasse un crypt-monnaie. Donc, je suis rendu quand même avec 4. Et là, une fois que j'ai fini mon action, parce que j'ai dépensé mes deux énergies, alors je le tourne de côté pour dire que j'ai fini mon action. Vous hein, voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors, Luna, maintenant, qui va ramasser deux cryptomonnaies. monnaies fait que vous allez voir que là, je vais remplacer ces trois qu'elle a présentement pour lui prendre son premier 5. Elle va s'en faire beaucoup parce qu'elle n'en dépense pas. Elle, elle va avancer son, son nuage de 1. ok, elle commence là. Donc, elle va l'avancer là. Elle, elle n'a pas... Elle ne va jamais aller chercher de, de, de jetons. Elle va simplement avancer. Et là, ensuite, c'est écrit, Luna va placer un autre bonus marker. Là, c'est le C, cette fois-ci, ici. Alors, le C, elle va aller bloquer celui-là, selon ce qui est inscrit là-dessus. Donc, je ne pourrais pas aller chercher euh, lui. Donc, ça, ça peut être très intéressant à aller euh, chercher éventuellement. Donc, Luna, qui vient de jouer ça. Deuxième action. Ah, c'est à moi. Je pense que j'ai envie. Ah, J'aurais bien aimé aller chercher lui. En passant, là, les, les habilités spéciales qui sont là, lui, c'est que je le mets, donc ça, ici, je le mets sur une de mes cartes. Puis, dans le fond, c'est que la carte va euh, valoir un de plus. Pour le tour. Là. Donc, euh, ici, ce serait un 3. Mais je vous rappelle que je ramasse ça seulement pour le tour suivant. Cela, c'est pour ramasser un scientifique que je vais pouvoir utiliser lors du tour suivant. Et cela, c'est simplement deux énergies. Alors, je pense que je vais aller ici. Je vais payer deux cryptomonnaies. Et euh, je ne ramasse pas tout de suite. Là, je vais le ramasser tantôt. Mais je vais aller me chercher celui-là. Luna va jouer sa troisième action. Et c'est sa dernière action de ce tour-ci. On voit que c'est écrit que Luna gagne the display card from the Space Mark X. Donc, elle va ramasser cette carte-ci qu'on va mettre dans, euh, dans, sa, dans sa propre réserve euh, parce qu'elle n'a vraiment pas le choix. C'est comme ça. OK. Donc, là, je ne vais pas euh, voilà, placer ça comme ça. Euh, et ensuite, il faut continuer à lire. N après, the display card with the most valuable share. Alors, celui qui a le plus de valeur, donc. Euh, et là, le most valuable share, c'est celui qui vaut le plus présent... Attendez, je vais juste aller voir. Parce que des fois, je me suis, trom... je me suis trompé, ça. Donc, on va chercher avec le most valuable share. Euh... Parce que je ne voudrais pas. Euh... Give the card show an additional share of the company. With among the one displayed belongs to the most valuable company. Donc, The Most Valuable Company, c'est celui qui, qui vaut le plus. Donc, présentement, The Most Valuable Share, c'est d'avoir du SkyMine. Alors, est-ce qu'il y a une, un share de SkyMine ici présentement sur le plateau Il n'y en a pas. Donc, là, dans ce temps-là, c'est euh, parmi les autres. Donc, toutes les autres ont la même valeur. Donc, là, on y va avec celui qui a le plus petit chiffre après ça. Donc, le plus petit chiffre qui a une valeur, qui a un share. Et ça, ça, ça va être des points que ça va lui donner en fin de partie parce qu'il va calculer comme nous des points. Donc là, il va ramasser cette carte-là, puis il va le mettre dans son display. Voyez-vous qu'il ramasse quand même. Quand je dis qu il, c'est une L, parce que c'est Luna. Euh, voilà, fait que The Lowest Number. Fait Elle a fait ça. Et là, aussitôt qu'elle a terminé, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les trois cartes qui sont là. OK. On va les euh, bien les brasser. Les trois. Elle, elle a terminé. Et là, on va tourner et la carte du dessus va indiquer si on enlève une des deux cartes du plateau qui est là parce que ça, va, ça, ça me permettrait d'avoir peut-être une possibilité d'avoir un maximum. Parce qu'oubliez pas que le maximum pour aller chercher les actions ici, maximum par exemple de titanium ou de carbone, c'est toujours selon ce qu'il y a de disponible dans le display. Si Luna s'enlevait par exemple cette carte-ci, Bien, moi, je pourrais avoir le maximum pour ces deux-là parce qu'elle, elle aurait pu ça sur son, euh, sur son plateau à elle. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les deux chiffres qui sont là. Donc là, c'est un 3, c'est un 3, ils sont égaux Quand ils sont égaux on n'enlève aucune des cartes qui sont là. ou qu'il y a un chiffre qui est plus haut que l'autre, le chiffre qui est le plus haut, on défausse la carte qui est dans le plateau. Mais là, les deux sont identiques. Donc, il ne perdra pas son maximum. Alors ça, c'est vraiment dommage. Et Luna a... Tout simplement terminé pour ce tour-ci. Moi, il me reste encore euh, quelques actions. Et là, ma problématique, c'est que je voulais jouer mon scientifique, puis je ne l'ai pas fait. J'ai joué ça. Comprenez-vous? J'ai joué ça sans jouer mon scientifique et en n'ayant pas de scientifique. C'est. Ridicule. C'est ridicule, mon affaire. J'ai tout pensé à ça pour pouvoir avancer en ayant mon, mon scientifique, mais mon scientifique est resté dans ma main. Je, je n'ai pas mon scientifique. Fait que ça ne me donne absolument rien. Bravo, Martin. C'est totalement inutile ce que j'ai fait. Bon, OK. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette action-là. On, on voit que j'ai deux. Ok, deux, deux carbones. Je rappelle que les carbones, je peux aller m'acheter des cartes ou je peux aller avancer sur des pistes. Je vais aller m'acheter cette carte-ci du scientifique. Ok, donc euh, le research scientifique qui va euh, me donner deux, euh, deux jetons, en tout qui vont me permettre de faire plein de choses, le fun. Alors, avec celui-là, qui me coûte deux d'ailleurs, je vais le mettre dans ma main, ce qui fait en sorte que je vais avoir deux scientifiques euh, dans ma main. Et avec le 1, le 1 ici, je ne peux pas m'acheter rien. Donc, parce que là, en passant, Luna a fini de jouer. Malgré que je pourrais aller chercher deux énergies, si je voulais, pour le prochain tour, pour me faire un super tour. Je pense que je vais faire ça. Je vais aller ici. Ou je peux aller m'acheter. Je pourrais peut-être aller m'acheter une carte. Non, non, j'aurais pas assez d'argent. Je vais aller ici. Je vais payer deux, mes deux dernières crypto-monnaies. Crypto et je vais pouvoir me prendre cette carte-là. Ici. Et c'est toujours à moi de jouer. Alors, je vais prendre ma dernière carte qui est là et je vais tout simplement avancer de 1 un sur une piste. Souvent, il faut avancer sur deux pistes. Je pense que j'aimerais bien avancer sur celle-là. Celle-là, dans le fond, n'est pas sais que vous ne voyez pas l'habilité spéciale, mais elle me permet d'avancer sur l'hélium. Je n'ai pas l'impression de m'en aller sur beaucoup d'hélium. Ceci me permet de vendre des... des, des Peut-être je m'avance au moins sur deux pistes. Ok, je pense que je vais aller m'avancer sur celle-ci de un espace parce que j'avais juste un. Alors là, j'ai terminé mon tour. Mais là, une fois que j'ai terminé mon tour, avant qu'on finisse la manche, là, je dois choisir une carte qui va revenir dans ma main. Ok, là, je dois regarder. évidemment, j'ai, euh, j'ai pas bien joué. <laughs> j'ai pas bien joué. Oh. J'ai vraiment pas bien joué. Oh. J'ai de la misère avec ce, ce, ce fameux plateau-là. Il va falloir que j'aille me chercher des meilleures cartes que ça. Je pense que je vais aller me chercher. Je vais aller me chercher celle-ci. Donc, que je mets dans ma main. Et là, en de ça, il faut que je retourne mes trois cartes. Et là, je les mets. Donc, là, je pense que je vais mettre. Mon 2 d'énergie là, ce qui fait que je vais éventuellement avoir 4 énergies. Je vais mettre mon 2. Non, 2 avec lui. Et le 1 ici. Mon tour est terminé. Donc là, étant donné que Luna et moi, on a passé. Donc, Luna, elle va se défausser de ces deux cartes-là. On la met dans la défausse. Ensuite, on enlève les deux cartes qui sont ici. Les cartes qui sont dans ce présentoir-là, de ce côté-ci, sont toujours défaussées. On va ensuite de ça tasser les différentes cartes d'un espace et ensuite on va remplir toujours en fonction de ce que vous voyez ici euh, dans l'ordre qui est là donc c'est très simple comme jeu quand même c est, c est, vous allez voir ça se passe très vite mais là il faut pas oublier que ça ici on le tourne de côté donc on voit que c'est autre c'est un autre jeton euh, qui lui par contre pour le passer faut que je paye deux cryptomonnaies et à la fin de la partie, ça va me donner quatre points. Donc, ça, c'est un projet spécial qu'on peut aller chercher. Et on est déjà prêt, imaginez-vous donc, pour la prochaine ronde euh, de la partie. Fait que, moi, étant donné qu'on a 7 rondes, je me suis dit qu'on allait se rendre jusqu'à la ronde numéro 4, puis pour le deuxième épisode, on finira les trois derniers. Donc, allons-y maintenant pour la ronde numéro 2. Chose très importante que j'ai oublié, il euh, faut que j'enlève tous les, les marqueurs qui sont là, qui sont là. Oups, excusez-moi, je suis encore en train de, de pousser mon pauvre petit plateau. C'est pour ça depuis tantôt que ça se mes affaires parce que j'ai, euh, comme je vous dis, je manque de place, surtout avec mon micro. Alors euh, lui, je le reprends, mais n'oubliez pas que ces deux-là me reviennent avec ce personnage-là. Et je reprends également mes deux énergies, donc ils sont, ils sont euh, disponibles pour moi pour ce tour-ci. Ça c'est intéressant, je, je pas pensé. Voyez-vous, j'ai déjà placé, j'ai déjà fait ma planification en passant. Donc je me suis déjà rendu à dire que je pense que je vais y aller pour des achats de cartes. C'est un peu ça que je vais faire. Euh, j'ai d'ailleurs ici un, une super carte qui me donne un share, donc une action de plus de SkyMine qui est là. Alors on va commencer par euh, placer les trois cartes de Luna. Un, deux, trois... Et C'est très important, il faut faire notre choix avant de dévoiler, parce que ça serait trop facile. On avait fait ça, Stéphane et moi au début. Alors on place les deux, euh, les deux cartes qui sont là. On voit que Luna a présentement quatre cartes, euh, quatre euh, titanium, 0 carbone, puis mais 0 euh, minerai. Donc ce qui fait en sorte que j'ai plus de minerai euh, qu'elle, mais elle a beaucoup plus d'énergie que moi. Moi j'en ai juste deux des énergies. Donc c'est toujours à moi de commencer. Il y a au moins ça qui est l'avantage. Donc, étant donné que je suis en majorité, euh, malgré que... Non, c'est parce qu'il faut que je les utilise. Euh, Est-ce qu'il y a des cartes Parce que j'ai ici, j'ai gardé une carte de 2. Celle-là, j'ai une carte de deux qui est juste là. Mais il me semble qu'elle ne vaut pas grand-chose. Sinon, j'ai des cartes de 3, de 3, de 3 qui sont là. J'ai pas beaucoup de cartes de 2. La seule carte de 2 que j'ai, c'est celle-ci. Je pense que c'est celle que je vais vouloir aller utiliser. Donc... Je vais prendre donc ma carte ici de 2 Titanium pour aller m'acheter une autre carte de 2 Titanium. Donc, ça va peut-être pouvoir m'aider justement pour le prochain tour. Luna va jouer. Alors, qu'est-ce que Luna va faire? Alors, elle va se faire encore 2 cryptomonnaies. Elle est déjà rendue à 7. Vous allez voir qu'elle s'en fait pas mal. Elle va avancer de 1 sur sa piste. Alors, elle est rendue là. Et ensuite de ça, elle va placer un Bonus Marker sur le Bonus Space qui... Euh, match son, 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 son lieu. Donc, euh, Oh, j'ai oublié en passant en, euh, Non, c'est vrai, j'ai oublié de regarder en haut ici, mais elle avançait sur aucune piste. Ça, je suis quand même assez chanceux. Donc elle est présentement, la carte elle est sur le B. Donc le B, c'est qu'elle va donc venir bloquer complètement celui-ci. Donc je ne pourrais pas aller me rechercher deux énergies au prochain tour. Bon, tant mieux pour elle. Mais c'est moi qui ai le plus de minerai. Alors, je vais aller ici. Et avec mes trois minerais, malheureusement c'est ce passé pour me rendre à quatre, mais avec... Oh, Seigneur, je suis tanné de pousser sur mon. sur mon, euh, sur mon micro. Avec les deux, euh, les deux minerais, j'avance de deux sur la piste de, euh, de Minerva. Donc, mon Dieu. Comme je vous dis, ça va pas bien mon affaire. Alors, elle va venir, euh, je, vais, je vais aller rejoindre ici mon adversaire sur cette piste-là, grâce à mon, ma majorité dans les minerais dans cette ronde-là pour l'instant. Donc, ça, ça va bien. C'est encore autour de Luna. Alors, Luna, qui va maintenant avancer de 2 sur chaque. Euh, donc, sur chacune des deux compagnies les plus, euh, qui ont la plus grande valeur. Alors, présentement, celle qui a la plus grande valeur, c'est SkyMine. Donc, elle va avancer de 2. Et les trois autres sont à égalité, donc elle va avancer sur celle qui a, euh, donc qui, qui est en, en alpha numérique. Alors, elle va avancer sur celle-ci. Alors, elle va se rendre maintenant à 4. Et ensuite, ça c'est intéressant. Alors, Luna va défausser le B et C qui correspond à, euh, donc à son endroit, qui est C, justement. Et elle va aussi prendre la crypto coin qui est là. Fait que là... Si je regarde, le, là, elle est sur le C, donc ça, ça veut dire qu'elle va enlever ces deux-là. Elle ne fera pas nécessairement de points. Elle en a bien dit, c'est le B et le C, c'est ça? Le B et le C. Donc, elle enlève ces deux-là que je mets dans son coin. Et elle va également ramasser. Ça, j'oubliais souvent. Elle va ramasser également sur le, le coin. Si elle n'en avait pas, elle ne l'aurait pas ramassé. Et ça, ça permet aussi, donc, de changer. Elle va aussi bouger. Même si ça ne lui donne rien, elle fait tellement de crypto... Crypt Coined, Crypt que a fini par s'avancer pas pire dans ces ses, dans affaires-là. Bon, fait que ça, ça c'est fait pour elle. Euh, et c'est tout. C'est tout pour son action. Elle pourrait aller s'acheter une carte. Fait que je pourrais peut-être essayer d'aller tout de suite m'acheter une carte avec les deux qui sont là. Parce que les deux qui sont là, ça me donne jusqu'à trois. Et on voit que 3, je peux m'acheter un 3 carbone. Là, il ne faut pas oublier que j'ai ça aussi. Là. Hey, mon Dieu, Seigneur. Hmm, ça, va être ça va être difficile. Il faut que, faut que je parle. Malgré qu'ici, ici, il faut que j'ai atteint le quatrième espace de 3 des 4 compagnies. Celui-là, je suis rendu au sixième espace. Un premier espace. Deuxième espace. Ça, je suis peut-être capable de faire ça. Puis d'avoir 7 énergies dans un seul tour, ça, ça va être très difficile. Mais avec mes 3, je pourrais aller chercher un autre chercheur. Mais bon, ma problématique, c'est que j'ai pas l'impression que. Alors, je ne suis pas obligé d'avancer tout de suite. Mais je pourrais quand même aller me chercher celui-là. Puis celui-là, il coûte 5. fait que je peux pas aller le chercher. Hum. Est-ce que je vais me chercher trois carbones? Ça me permettrait d'être possible. Carbone, ça me permettrait d'avancer également là-dessus. Je pense que je vais aller chercher trois carbones. Alors que je, je vais ramasser dans ma main également. Donc ça, j'utilise ces deux-là. Vous comprenez que ces deux-là ces deux s'en vont comme ça parce que je les ai utilisés. Mais j'ai encore des actions disponibles. Tu sais, j'ai encore plusieurs actions euh, qui sont disponibles. C'est autour de Luna. Alors Luna qui va avancer de 2 sur les sur les two most valuable, donc elle va faire exactement la même chose. Un 2 ici et elle va recommencer un 2 là. Elle est déjà rendue à 6. Et après ça, Luna va défausser le special Face-Up Research Plan NDA. OK, le special OK, elle, dans le fond, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ramasser le spécial qui est là. Puis, elle va aller chercher le A qui correspond à, à l'endroit où était sa carte. Donc c'est D. Alors le D, si on le voit bien, c'est celui qui est complètement au bout, qui est juste là. Donc elle va ramasser celui-là. Et voilà. Puis elle va aussi prendre le Crip, le Crip Coin, mais il n'y en a plus de Crip Coin qui sont là. Alors, on va remplacer la tuile A par celle-ci. Et là, elle a terminé son, euh, sa deuxième ronde. Alors on fait la même chose, sauf que cette fois-ci, à part pour l'énergie, c'est parce que j'ai deux énergies présentement. Alors si je tourne ça, je regarde. Alors si vous regardez bien, je le mets sur le dessus de la défausse. On voit que le chiffre le plus gros, c'est le 3. Donc je défausse celle-ci. Et effectivement, elle est rendue à zéro énergie. Donc j'ai le plus d'énergie. Ce qui fait que dans mon taux, je vais prendre un de ces jetons-là. Et je vais aller le placer ici. J'ai deux énergies, donc je vais avancer de deux sur SkyMind. Alors je suis rendu à deux, et bientôt je vais traverser ici, ce qui va me permettre de faire l'action qui est là. Il va falloir que je regarde parce que je ne l'ai jamais fait celle-là. Donc ça, c'est une bonne chose. Et là, ça reste à moi. Donc je vais prendre le scientifique qui est là. Et on voit que ce scientifique-là, dans le fond, qu'est-ce qui me permet. Permet d'avancer de 2 sur l'hélium 3. Et j'aurais pu avancer de 1 plus si j'avais eu un autre scientifique de ce type-là, ce qui n'est pas le cas. Donc, une fois que je l'ai utilisé, je le remets à sa place. Euh, et pour finalement les deux, les deux énergies, je dois vous avouer que. Où est-ce que je vais aller avec mes deux énergies? Je ne veux surtout pas celui-là. Avec les deux énergies, je pourrais par contre aller faire un petit tour là. Donc, aller placer lui-là. Et aller placer lui-là. Pourquoi je ne le l'enlève pas Parce que le most valuable, ça reste celui-là. Mais est-ce que je veux justement... On va, on va garder ça là. Donc, j'ai payé mes deux énergies pour faire ça. Et là, rappelez-vous que je paye une énergie parce que c'est. Je traverse seulement une ligne simple. Alors ici, j'avance de 1 sur cette piste-là. Et ensuite, celui-là, je me ramasse un Hélium-3 sur ma piste. C'est pas super, hein? Et là, j'ai terminé mon tour. Donc, dans mon tour, je prends ces trois-là. Là, je vous rappelle que dans ma main, si on se rappelle bien, j'ai un 3. Donc, je n'étais pas obligé d'aller chercher celui-là pour pouvoir m'avancer. J'ai un 2. Donc, je pense que je vais être capable. Je vais aller chercher celui-là. Je vais aller chercher mes 4, mes, mes 4 énergies. Donc, ça va me permettre de faire plein de choses avec ça. Et là, je vais donc placer le 2 là. Placer le 2 là. Placer le 1 là. Et c'est la fin du tour. Déjà. Alors, c'est ce qui fait en sorte qu'on va se départir de toutes ces cartes-là. Ensuite, on va tasser les cartes pour après ça remplir avec de nouvelles cartes. N'oubliez pas qu'il y en a qui ont des valeurs d'action dessus. Hein. Bon, comme ici, celle-là. Moi, je vais aller chercher du SkyMind, mais il avance aussi pas pire sur SkyMind. C'est ça qui est toujours. Toujours un peu fâche. Hein? Alors, ensuite de ça, il ne faut pas oublier de, donc, de ramener les jetons. Donc, j'en ai un là et j'en ai deux là. C'est vrai que je n'aurais pas à utilisé mais je n'ai pas de crypte-monnaie, moi. C'est ça la, la différence. Et on prend ça ici et on tourne celui-là. On est rendu maintenant au troisième, à la troisième ronde. Alors, euh, ça va déjà pas Je réfléchis à ce que je vais faire et je vous reviens. Bon, là pour l'instant, je vous dirais que j'avance pas beaucoup à ce niveau-là, mais peut-être que je pourrais utiliser mes, euh, mes actions pour avancer sur les pistes, pour peut-être à tout le moins pouvoir, euh, pouvoir aller chercher au moins... Ça va être dur d'avoir cette énergie à moins que j'ai en chercher. Ça va être très difficile, très difficile. Mais tout est possible. Tout est possible dans ce jeu-là parce que je n'ai pas, pas la piste non plus qui donne. Euh, parce qu'il y a une piste que quand on arrive à certains endroits, ça donne plus d'énergie. Mais c'est bien écrit que c'est euh, In Your Action Area. Fait ne faut pas que ce soit dans, sur des. Il euh, faut que j'ai au moins pour, euh, pour cette quantité-là d'énergie. Bon, alors j'en ai pas. Luna qui n'a pas euh, non plus euh, fait grand-chose à ce niveau-là, mais vous allez voir que Luna va changer un petit peu dans quelques instants. Donc, j'ai joué ces trois-là. Donc, un scientifique. Un carbone de 3, un titanium de 2. Alors Luna qui va aller placer sa première carte et sa deuxième carte. La pioche, elle est, elle est libre. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend une carte de niveau 2, qu'on mélange à l'intérieur du paquet. Alors vous comprenez un petit peu comment fonctionne le niveau de difficulté. On va commencer avec plus de, de cartes de niveau 2 dans les niveaux de difficulté qui sont un petit peu plus élevés. Euh, fait qu'on on brasse ça comme il faut. Ensuite, je place une autre carte et, comme d'habitude, la carte 2 pourrait se ramasser en haut, hein, en passant. Alors, je tourne les deux cartes qui sont là. Alors, elle a un scientifique que je ne pourrais pas, malheureusement, prendre cet avantage-là pour l'instant. Par contre, j'ai l'avantage sur le carbone, mais je n'ai pas l'avantage sur le titanium. Ah Zut mais elle n'a pas avancé beaucoup sur des pistes pour l'instant pour. Euh, je vous dirais que. Ouais. Est-ce que je vais. Est-ce que je vais pour l'avantage du carbone? Alors, l'avantage du carbone, c'est ici. Et j'ai trois carbones. Donc, trois carbones va me permettre d'avancer de 3 sur la piste de, euh, de Tamac. Tawak? Alors, j'avance de 3. 1, 2, 3. Alors, je suis rendu euh, pas si pire. Ça veut dire que si j'avance encore un petit peu sur Minerva, je vais avoir réussi la, la... une des missions que j'ai sur ma carte euh, qui est juste là. Alors, qui est juste ici. Alors, je vais avoir réussi à faire ça. Donc, OK. Moi, ça me va. Alors Luna va gagner 2, Helium 3. Donc 1, 2. Elle va avancer ici. Ensuite, Luna va gagner la carte qui est, dans, euh, qui est ici. Donc elle va gagner celle-ci qui n'est pas si importante. Euh, mais c'est écrit aussi. Et elle va gagner la carte de l'espace qui match de Luna. Euh, donc match de Luna Card Slot. Alors elle est dans le B. Alors on voit qu'elle va prendre également celle-ci. Oh, ça par contre... Ça, c'est un elle a une action de, euh, de la compagnie euh, Astrogo. Mais pour l'instant, Astrogo n'a pas fait grand-chose. S'il n'y a pas d'argent qui sort, s'il n'y a pas de crypto-monnaie, crypto-monnaie qui apparaît, il euh, n'y a rien qui va se passer pour Luna. Là. Luna, elle avance pas aussi rapidement que dans certaines de mes parties. Puis je trouve qu'elle n'a pas tant de, de, de sous non plus. Ça, ça dépend de plein de choses. J'avoue que son, le système de cartes fonctionne quand même très bien. J'ai pas de crypte-monnaie, Sauf que je pourrais peut-être aller m'en chercher. Je pourrais peut-être me départir de cette carte-ci. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller là. Donc, ce que je fais, c'est que je me départis de cette carte-là, qui vaut 1 plus 2. Donc, je vais me faire 3 crypte-monnaie. Ça me permet d'aller m'en chercher. Me départir de 4 mais c'est pas comme. Dans d'autres jeux, on, se, on ne se remplit pas nécessairement de plein, donc au moins je me fais un petit peu de monnaie parce que je vais peut-être aller me chercher d'autres choses ici, éventuellement, pour le prochain tour. Ok, alors elle va avancer de 2 sur la company prime um, wish leads by the biggest margin. Alors, présentement ici, et si elle gagne, elle a deux d'espace, un, un, deux, trois, quatre de plus. Donc, elle va euh, avancer de deux sur celle-ci. Puis, évidemment, elle n'a pas payé euh, ce, ce qu'elle a payé ici. Et elle va étendre cette compagnie. Et donc, elle a, et là, c'est bien inscrit. Elle a deux points qu'elle va. Le petit max, vous allez voir, vous allez comprendre. qu'elle va étendre ici. Elle va payer deux points. Et là, on voit qu'elle a le choix. Soit elle peut aller là ou elle peut aller là. Et étant donné que c'est écrit max, vous ne le verrez pas parce que c'est très petit, mais il y a des petits chiffres ici. On voit que là, c'est le chiffre 21-23. Donc, elle va aller s'installer ici. Et elle ne fait pas les bonus. Elle fait juste s'étendre. Et ensuite, étant donné. pas passant, elle va... Quand elle va choisir, elle ne choisit pas aléatoirement. Elle va toujours choisir. Euh, écoutez. <laughs> Je, je le sais là, par cœur, là, mais je vais vous le dire de la manière qu'elle va euh, qu'elle va s'étendre. Donc, ok, elle va toujours s'étendre sur euh, euh, la colonne qui a le plus d'espace de, vacant, mais que la dernière, le, le, le dernier jeton n'a pas été enlevé. Euh, puis En tout cas, là pour l'instant, tu... ok. Là, je vais vous le lire en anglais, ok, comme ça vous allez pouvoir peut-être comprendre. Alors, euh, if the columns, if it is the column for outpost that has the most vacant home space, but whose final home space is not vacant. Donc là, présentement, on s'entend que il a aucune place qui est plus de, aucune colonne qui a le plus de, de de cases vides. Okay, c'est ça que ça veut dire. On leave the final home space of all columns are vacant. OK, on leave the, the final home space. Donc, the final home space. Uh, it is instead the one with the most vacant home space that also shows the fewest coin icon. Bon, je ne me suis pas rendu jusque-là. Donc, ça, ça veut dire que seulement si le dernier en bas, parce qu'il pourrait être enlevé là, en passant, de toutes les, les colonnes sont, sont vides. Alors là, il va prendre la colonne qui a le plus d'espace, mais qui a le moins de jetons dessus, ce qui n'est pas le cas encore. Et euh, Any ties are broken that the closer to the company logo. Alors, quand il y a une égalité complète, on va regarder le côté où il y a le, le, le plus proche du logo. Fait qu'il va aller là. Et là, en de ça, il y a le choix. Il reste encore un point. Alors, il peut aller ici ou il peut aller là. Mais encore une fois, c'est toujours le maximum. Ici, c'est 22. Ici, c'est 21. Et là, rappelez-vous, il va prendre celui qui a le plus, la colonne qui a le plus de vacances, sauf le dernier qui est là. Alors, c'est celui-là, il va aller le placer ici. Donc, c'est comme ça qu'il place. Si vous ne m'avez pas tout suivi, c'est correct. <laughs> je vous dirais que j'ai fini par comprendre un peu comment ça fonctionne, mais euh, c'est là que la version française, je pense, m'aurait euh, grandement aidé. Là. Mais je pense bien avoir compris le concept dans le fond. Puis c'est très rare qu'on se rende jusqu'à. Jusqu surtout quand on joue seul contre Luna, qu'on enlève tout, 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 tout au complet. Mais je rappelle que moi, je peux enlever n'importe quel. Je ne suis pas obligé de suivre les mêmes règles que Luna. Bon. Alors Luna a joué. C'est maintenant mon tour. Et là, avant que Luna ait peut-être m'enlevé un espace, donc je vais, aller je vais aller me chercher ça ici. Et au prochain tour, j'aurais peut-être envie également. Je pense que je vais aller ici. Je vais payer un seul euh, crip-money. Euh, Et je vais aller me prendre ça pour le prochain tour. On va voir. Donc ça va me donner une de mes cartes, va avoir une ressource de plus. Fait que là, j'ai pris mes trois bonus. Luna va peut-être jouer déjà son dernier tour. Alors, elle va gagner trois crip-money. Trois. OK. Donc trois, j'enlève ces deux-là. On va y en donner un autre cinq. Elle est déjà rendue. Avec 11 sur son plateau. Et ensuite, elle va avancer de 3 sur la Least Valuable Company Track. Alors, la Least Valuable, c'est celle-là. Donc, c'est celle-là parce que les autres ont toutes des crypto-coins. Donc, la Least, c'est celle-ci. Donc, elle va avancer de 1, 2 et 3. Et là, ici, elle va se faire un, une crypto-monnaie. Euh, crypto crypt -monnaie. Et elle va étendre de 3. Et là, on va essayer. C'est. C'est le même principe. Alors, vous comprenez que c'est encore le max. Alors, elle a le choix d'aller là ou là. Ici, c'est 11. Ici, c'est 7. Donc, elle va aller s'installer là. Pour le deuxième, elle a le choix du 12. Ou elle a le choix du 7. Donc, elle va aller ici. Et pour le troisième, elle a le choix du 7. Elle a le choix du 8. Les autres, elle ne peut pas se rendre. Donc, elle va aller dans le 8 qui est juste ici. Hey, bonjour tout le monde, c'est Martin du futur. Je sais, ça fait très longtemps que je ne vous ai pas parlé directement, mais c'est parce que je vous rappelle que Martin du passé me garde dans une prison temporelle et que j'essaie depuis des années de me, de me sauver de cette prison. Euh, en même temps, c'est un petit peu trop long pour moi de vous l'écrire, donc je vais vous le dire. Euh, J'ai fait une erreur avec Luna, mais j'avoue que ce n'est pas très bien expliqué dans le dans le livret. C'est que Luna utilise effectivement ses points d'expansion, ses expansion points. Mais elle, elle, va, elle ne va pas nécessairement calculer comme nous. Évidemment, étant donné que c'est un automa, euh, elle va donc laisser de côté les lignes simples et doubles. Donc chaque ligne vaut un point d'expansion. Bref, les points d'expansion, c'est le nombre de petites tentes qu'elle va placer sur le plateau. Alors ça ne va pas lui coûter un de plus également si elle enlève la tente qui appartient à une autre compagnie. Euh, ça aurait pu être mieux expliqué dans le livret en anglais. Là. Je ne sais pas si c'est le cas en français. Que chaque point d'expansion, c'est donc une tente à placer et il ne faut pas prendre en considération les lignes. C'est une erreur que je vais prendre pendant que, que je vais faire en fait pendant toute la partie au grand complet. C'est pas si grave, dans le fond, j'ai décidé de la faire jouer avec les règles de l'humain plutôt que de, des règles un peu truquées euh, de l'automobile. Est-ce que ça va avoir un impact dans la partie? Ben vous verrez si vous vous rendez jusqu'à la fin, mais à tout le moins pour vos parties. Vous allez maintenant être sûr de faire la bonne chose. C'est comme ça qu'elle va étendre ses trois points et on voit que celui-ci vient de, se, de devenir un petit peu plus intéressant. Et là, elle a déjà fini ses, ses, trois, euh, ses trois actions. Elle avance pas vite sur ses pistes aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'elle ne débloque pas ses, ses actions supplémentaires euh, très rapidement. Alors, je vais. Euh, Mélanger ça, je retourne ça de côté, et là on voit que le 3, c'est un 3, donc on va enlever celui-ci. Ce qui fait que, ben là j'ai plus rien. Fait qu'oubliez ça. J'aurais eu le carbone, la majorité du carbone, je l'avais déjà, je pense. Mais le titanium, j'aurais eu la majorité maintenant. Donc j'aurais pu avancer sur une piste. Mais bon, j'en ai plus disponible. Fait qu'on oublie ça. Là, on va jouer mon scientifique. OK? Vous êtes prêts? Alors, on joue mon scientifique. La première chose que je peux faire, c'est que je peux, pour deux crypto retourner une de mes tuiles. Euh, en fait, je, mets, je devrais peut-être plus me la mettre ici. Alors, euh, évidemment, si je change de place, alors sur mes tuiles qui sont ici, là, n'en tournerai pas. Je n'ai pas besoin de payer. Et là, c'est là que je peux avancer. Et là, regardons. Donc, cela, j'ai besoin d'avoir euh, un carbone et un titanium. J'ai ça en masse ici. Donc, je peux avancer là, mais je peux continuer à avancer. Donc, deux carbone, deux titanium, je me ramasse là. Et là, je ne peux pas aller plus loin. Donc, je me fais un cryptomonnaie. Et ensuite, il ne faut pas oublier que je me fais ça ici. Alors, c'est ce qui fait en sorte que j'ai maintenant la possibilité d'aller me chercher... Pour deux points et là je pourrais commencer à regarder pour continuer à avancer là faut que je regarde par rapport à mon prochain tour on voit que là présentement j'ai ça dans mon prochain tour mais je pourrais aller me chercher quand même celui celui-ci j'ai du j'ai du titanium et du carbone et aussi de l'énergie en fait j'aurais beaucoup d'énergie ce serait peut-être le temps d'aller me chercher peut-être celle-ci Coûte un. Parce qu'on voit que celle-ci, je vais avoir ce qu'il me faut au prochain tour. Ben, on va dire, il va falloir que je joue ça. Donc je vais la mettre là. Et je peux encore aller m'en chercher une autre. Celui-là, c'est faut que j'ai au moins un scientifique n'importe quel. Donc, ça. Hmm, je pense pas que ça comprend celui. Donc, je carbone, titanium. Carbone, titanium. j'ai carbone, hmm. c'est quasiment intéressant, j'ai quasiment envie d'aller chercher celui-là qui est un B. Ça là j'ai besoin d'avoir trois carbones. Euh, non ça c'est trois carbone et je pense qu'au prochain tour je pourrais l'avoir et d'avoir trois de n'importe quel autre. C'est peut-être ça qui va être difficile, par exemple, par exemple aller chercher. En passant, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Hein? Hmm. Ouais, je peux les mettre dans l'ordre que je veux. Je pense que je vais aller plutôt chercher celui-là. Donc, je pense que je vais les mettre comme ça. Et comme ça. Et là, ce qui est bien important, c'est qu'ici, c'est écrit A avec un tiret, donc je ne pourrais pas mettre une, une technologie ou en tout cas une recherche A là. Ça, ça va être bien important. OK. Je pense que c'était la fin de mon, mon action. OK. Bon. Donc là, maintenant, j'ai ça ici. Et là, j'aurais la chance d'avancer sur des pistes. Et j'aurais peut-être la chance de justement faire. Je pense que celui-là, pour... le c'est que je pourrais aller m'acheter aussi des cartes. Ça, là, c'est trois. C celui que j'ai euh, je venais me chercher, là. Attends, je le garde au prochain tour. C'est un Field Scientist. Pour avoir un de plus là. Bon, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 pour avancer de 1, 2 ici. Et là, je suis à 4. Donc là, il faut que je regarde. Parce que Average or Surpass the Fourth Space on At least Three companies ». 4, 4, 4, je l'ai fait. Donc, je, je m'enlève celui-là. Donc, ça, c'est rendu un one time. Donc, j'ai le droit d'utiliser, l'utiliser, mais une seule fois. Et je me gagne 2 Crypt monnaies Donc là, j'en ai 5. Parce que c'est le bonus qui est là. Et là, ça débloque une possibilité d'une action personnelle pour moi bientôt. Vous ne l'avez pas bien vu, mais sachez que c'est ce que j'ai fait. Le 3. J'ai 3 ici. Je pourrais aller me chercher un 3 titanium. Je pourrais aller me chercher celui-là qui me donnerait parce que si vous regardez, celui-là me donne deux énergies, mais en plus j'ai la possibilité d'avoir un cher de plus. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon 3 de titanium, prendre celui-là qui coûte 3 et je vais le mettre dans ma main. Où est ma main? J'ai perdu les cartes de ma main. Hmm, il va falloir que je fasse une recherche. J'imagine que tout le monde avait, avait trouvé que ma main était là. Donc là, ma main, j'ai beaucoup d'énergie dans mes, dans mes mains. Et là, je pourrais étendre vraiment énormément euh, dans quelques... Dans quelques dans, Peut-être au prochain tour, je ne sais pas. Euh, j'ai lui... Mais j'ai plus rien. Je pense que je vais le conserver. Je vais le conserver. Donc, ce qui va mettre fin à mon tour... Euh, je pense que j'ai dit que j'allais chercher celui-là parce que j'ai beaucoup de titanium. Mais oh mon dieu, ça, ça avance pas vite. Parce que ça avance pas vite pour débloquer mes deux côtés qui sont là. Mais bon, scientifique, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre là. Lui, je vais le mettre ici. Donc, ça, c'est fait. À ce niveau-là, c'est bien. Euh, et euh, là, mais, le tour est terminé parce que Luna aussi a terminé son, son tour. Alors, c'est ce qui fait en sorte que euh, je vais donc reprendre mes, euh, mes petits jetons ici. Euh, Puis, il ne faut pas que j'oublie que je ramasse celui-ci pour le prochain tour. Je pense que c'est tout à ce niveau-là. Alors, lui, je le prends. Je le mets par-dessus l'autre. Donc, il y en a deux. Crypto-monnaies maintenant qui sont là. Et on est déjà prêt à jouer le. Euh, C'est la dernière ronde de ce premier épisode qu'on va faire, donc officiellement. Ah, oh, j'ai oublié. Évidemment, il faut que j'enlève ça ici avant toute chose. Alors ça, 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 ça s'en va complètement là. Ça, on va amener ça là. On va amener ça là. Ensuite, je vais retourner. Retourner. Retourner, retourner. Oh, cela est intéressant. Alors voilà, on est prêt pour jouer. Ben, c'est pas vrai, on n'est pas prêt pour jouer parce que j'ai oublié de placer les éléments de Luna ici. Et là maintenant, c'est là que je peux faire un gros tour. Mais en fait, non, je pense que je veux continuer à m'avancer. Sur la piste, mais il faudrait tellement que je m'avance de un de plus. Il faudrait tellement pas qu'il ait de, de scientifique. Là. Ça m'aiderait tellement. Le pire, c'est que je l'avais peut-être dans l'autre, je pas regardé. Alors, je pense que je vais me garder encore ça. Puis ça, pour le prochain tour, on va faire un gros tour axé sur l'énergie. Sur Donc là, cette carte-là. Ah euh, oh non, j'ai pas d'énergie, fait je peux pas faire celui-là. Ah! Oh! J'ai pas encore nécessairement réfléchi à ce que je voulais faire. Mais ça ne marche pas mon affaire. <coughs> je ne les ai peut-être pas mis dans le, bon, dans le bon ordre. Donc je pense qu'à la place. Je vais enlever celui-là. Puis... Je vais mettre celui-là. Puis je vais mettre ça sur lui parce que de toute façon, je n'ai pas le choix. Donc, c'est ce qui fait en sorte que j'ai... Euh, j'ai donc 3. Pour ce tour aussi. On voit que j'ai un 3. Alors, c'est comme ça que ça va fonctionner. OK. Puis là, Luna, si on regarde comme il faut. Alors, ça, c'est sa majorité. Alors, on voit que Luna a présentement... Eh là, là excusez-moi. Tout se déplace. Je suis un peu pogné dans mon coin présentement. En tout cas. Alors, elle a présentement trois. Euh, oh, je sais pas. Carbone, je pense. Trois énergies. Elle n'a pas de titanium, donc j'ai la majorité du titanium. Mais elle a la majorité de l'énergie. OK. Mais ben là, c'est à moi de commencer. Comme vous le savez tous. OK. <coughs> J'ai un petit chat dans la gorge, présentement. Euh... Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais avec ma majorité? Je pense que je vais y aller avec ma majorité. Alors, la majorité, la majorité, c'est de titanium. J'en ai trois titanium. Alors, je vais aller jouer ici, sur ma majorité de titanium. Et avec les trois, malheureusement, c'est deux sur, euh, sur Astrogo. Fait que j'avance de deux ici. C'est tout. C'est malheureusement tout. J'aurais aimé mieux avoir d'autres choses, mais c'est tout ce que j'ai. Ok, alors Luna, maintenant, qui va se faire encore deux magnifiques petits. Euh, un petit peu d'argent. Donc on va l'acheter. Elle va avancer de 1, donc euh, elle s'avance un peu sur. Elle est à veille de se débloquer à un, autre, euh, un autre lieu. Et ensuite, Luna va mettre le marqueur bonus où elle est. Donc, elle est sur le B. Donc le B, c'est le troisième ici. Alors, elle va aller mettre son marqueur bonus ici. Elle va aller nous bloquer juste là. Mais c'est quand même pas si pire. J'aimerais ça me ramasser de l'argent. J'ai encore cette possibilité-là. Comme par exemple, si je me défaisais de cette carte-ci, ça me donnerait 4 monnaie. Et je me rapprocherais de mon 15 que j'ai là. Est-ce que je le fais Est-ce que je me débarrasse du 2 carbone Je pense que oui. Je vais me débarrasser du 2 caravans. Je ne sais pas si je fais de bonnes choses. Mais je vais aller me chercher des cryptomonnaies. Donc, je vais aller me débarrasser de cette carte-là. Qui va me faire 2 plus 2. Alors, je la mets ici. Alors, 2 plus 2. Ça me fait un beau 4 de plus. 1, 2, 3 et 4 de plus. Donc, je suis rendu à 9. C'est quand même pas pire. Puis, je n'ai pas encore joué de mes cartes à moi. Mais bon. On sait que ce n'est pas honnêtement de bonne chose. Donc, Luna va qui va se regagner encore deux autres euh, crypto monnaie. Donc, ça va faire en sorte qu'on va lui donner un autre petit 5 est à 16. Elle va avancer de 1, ce qui va donc débloquer automatiquement pour le prochain tour un autre lieu où elle va faire une action supplémentaire. Et elle va bloquer, encore une fois. Alors, c'est le C. Elle va bloquer exactement la même place dans ce temps-là. Il n'y a rien qui se passe. D'ailleurs, parlant de rien qui se passe, j'ai oublié de regarder ici en haut. Je pense pas, là. Mais Martin du Futur va sûrement avoir dit quelque chose, malgré qu'avec les reflets, on ne voit pas grand-chose. Mais il reste qu'ici, il n'y a rien, mes deux scientifiques. Donc, je n'ai pas la majorité <laughs> pour ce qui est des scientifiques. C'est quelque chose que j'oublie de regarder si elle a de l'hélium aussi. Je pense pas. Il me semble que je l'aurais remarqué. Ça, je... bon, ici il y, en avait... il y en a deux, mais je pense que je, je pense que je l'avais vu puis je l'avais augmenté à moins que c'était l'autre carte. Je ne sais pas, mais en tout cas. Hum. Est-ce que c'est le temps d'y aller avec le scientifique? Ah, j'aurais pas le choix. Donc le scientifique, je vais payer deux. Pour enlever celui-là. Donc, je fais juste simplement le, le, le changer de côté. Ensuite, je peux bouger. Donc, je passe par de celui-là. Est-ce que j'ai deux énergies, au moins deux de titanium Oui. Alors, ce qui va me redonner mes deux. Donc, au moins, euh, je m'avance. Et le prochain, je vais débloquer celui-là. Et j'ai deux. Euh, donc, je peux continuer. Et là, ça ne peut pas être un A, forcément que ce soit un B. Je sais pas. Peut-être. Je pense que je, je serais peut-être capable d'aller faire celui-là. Donc, ça, ça me coûte 1, malgré que je peux aller me chercher un C aussi à deux. Hein. Les C peuvent être peut-être plus simples. Oh, j'aime ça. Celui-là. Mmh. Est-ce que je pourrais aller me chercher ce que j'ai besoin Parce que. Il faudrait aller chercher celui-là. Ok, je vais aller chercher celui-là, le C, qui donne 2. Alors je vais aller le placer justement juste là. Et c'est tout parce que je n'ai plus rien à ce niveau-là. Ok. Ensuite, Luna, qui continue son, euh, son, son escapade d'aller se chercher de l'argent et de s'avancer. Donc elle est rendue là maintenant. Sur la piste. Et elle va mettre un autre bonus marker. Maintenant, elle est, elle est rendue au D. Donc, le D, il est ici. On va lui mettre son bonus marker là. C'est tout. Donc, elle a déjà terminé. Mais euh, à partir du prochain tour, donc, quand vous allez revenir pour le deuxième épisode, si vous me revenez, elle va donc euh, automatiquement avoir quatre actions. Donc, là, elle va commencer à agir un petit peu plus. Est-ce qu'on enlève. Une carte. Et non, parce que c'est 2-3. Bravo. Donc, euh, c'est ça. Ça ne changera pas euh, pour ce qui est de, de mon énergie. Donc, fait que là, c'est à moi. Est-ce que je peux aller m'acheter une carte? Je, si j'étais capable d'aller me chercher ces deux-là, ça me donnerait un beau avantage. Ouais, OK. Donc, pour terminer ça, pour terminer ça, je pense que j'ai mon idée vraiment d'aller chercher ça. Donc je vais aller payer un crypto. Il y a lui qui me permettrait d'aller débloquer mon autre. Peut-être au prochain tour, mais je pense plus que je vais aller chercher celui-là pour 3. Donc là, il faut que je paye 3. 1, 2, 3. Et ça, je mets ça donc dans ma main. Et là, dans ma main, regardez-moi ça, j'ai beaucoup d'énergie. C'est ce que je vais probablement faire au prochain tour. Alors, ça, c'était cette action-là, mais je vous rappelle que là, c'est juste moi qui reste à jouer. Euh, donc, j'ai 3 ici. Et avec le 3. Je pense que je vais aller me chercher le Field Scientist qui va me donner une autre, une autre action de cette compagnie-là. ça, c'est bon. Et pour les deux énergies que j'ai. Je pense que je vais m'occuper. Je pense que je vais aller ici pour un. Ça va me donner. Je vais aller prendre de suite. Là. Ça va me donner deux cryptos. Et je vais enlever celle-là pour aller là. Et ça va me donner un, un Helium-3. Ça me fait mes deux. Je vais par là et par là plutôt que de passer directement là. C'est comme ça que j'éteins pour l'instant les compagnies. Et je pense que c'est tout, malgré que... Si j'allais chercher, en hein, passant je me suis trompé entre ces deux-là, si j'allais chercher ça avec celui-là qui est un one-time, ça me coûterait deux cryptos, je pense que je vais aller chercher lui. Je vais peut-être être capable d'aller me débloquer un autre de mes éléments qui est là. C'est sûr que pour ce qui est du dernier, mais je pense que ça va me donner des points malgré tout dans ma campagne. Je passe. OK. Fait que là, j'ai dit que j'allais chercher... Est-ce que je vais chercher celui-là? Ou... Non, c'est celui-là que je vais chercher. OK. Donc, lui, je le mets là. Lui, je le mets là. Lui, je le mets là. Ouais, je pense que c'est une bonne chose. OK. Donc là, j'ai fini mon tour. Et ça m'a fait complètement... Donc, on va enlever ces deux-là ici, qu'on va placer là. Et là, on voit que ça nous, fait, euh, ça nous fait bouger encore plus les cartes. Oh, et ça, on a beaucoup de cartes d'énergie. Et, euh, fin... ben, je n'irai pas, pas jusqu'à dire finalement, mais euh, je vais ramasser ces deux-là pour notre ami. Je vais aller ramasser celui qui est en haut pour moi. Celui-là, je l'enlève complètement de la partie parce que je ne peux pas l'utiliser. Mais je me ramasse ça pour le prochain tour que je vais placer ici. Et euh, celle de là, c'est fait. Alors voilà. Et là, comme vous pouvez voir, en plus, je vais tout de suite le placer. Alors, je dois placer une autre grippe-monnaie là-dessus. Tourner. Parce qu'on va faire déjà la cinquième ronde. Et je. Je pense que ça va être tout. -ce que je... Des fois, je me demande toujours. J'ai-tu tout fait? Je pense que oui. Alors, j'ai effectivement tout fait. Donc, c'est là qu'on en est euh, présentement rendu. C'est drôle comment les. les... J'ai l'impression que je, je, je bouge mon. je bouge mes affaires, mais J'essaie je, de faire le plus attention possible. Mais euh, comme je vous. En tout cas, je ne répéterai pas encore. Alors voilà, ben, c'est ce qui va mettre fin à l'épisode 1. Euh... J'ai aucune idée si je fais bien ou si je ne fais pas bien. Je, comme je vous ai dit, je, 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 je comprends le jeu. J'aime beaucoup le jeu d'ailleurs. Je le je trouve, euh, trouve très bien. Mais euh, mon dieu, que j'ai de la misère avec cette fameuse stratégie-là. D'ailleurs, je vais enlever les deux cartes de Luna euh, qui étaient là. Euh, mais euh, je suis prêt à continuer la route, puis en en faire euh, un petit peu... Euh, encore pour voir jusqu'où je vais me rendre. Luna qui fait quand même moins d'argent que dans mon dernier, euh, ma dernière partie. Je trouve qu'elle est moins efficace euh, à certains niveaux. C'est peut-être par rapport à ses cartes. Mais elle est quand même rendue à 18 euh, monnaie. Donc ce qui fait en sorte qu'elle va quand même faire. Elle a déjà ce, ce, cette quantité de points-là en partant. Et euh, moi de mon côté, je ne suis pas sûr d'en faire tant que ça. Ben, en tout cas, j'espère que vous allez être là pour la suite. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mon Facebook, mon Instagram ainsi que mon Discord. Allez faire également un petit tour chez mon commentaire boutique de jeux la pioche au www.boutiquelapioche.com. Allez faire également un petit tour sur ma campagne Patreon si vous voulez me donner un petit coup de pouce dans mon, euh, dans mon, dans mon projet de la zone de jeux de société. Et d'ici la prochaine fois, amusez-vous avec vos jeux de société et nous, on va se revoir très bientôt. Allez, bye bye tout le monde.